Welcome to Fluent Francais. In today's video, Sophie will tell you a story of ma vie quotidienne. You'll discover the activities of a typical day at university. This is also an excellent opportunity to practice and improve your French listening and speaking skills. Listen carefully. Ma vie quotidienne. Je m'appelle Sophie. Je suis une étudiante en troisième année à l'université. Voici un aperçu de ma vie quotidienne. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Je me lève, je me brosse les dents et je prends une douche. Ensuite, je m'habille et je prends un petit déjeuner rapide. Je bois un verre de jus d'orange et je mange des céréales avec du lait. Après le petit déjeuner, je me dépêche de partir pour l'université. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus et j'attends le bus numéro 12. Le trajet jusqu'à l'université dure environ 20 minutes. Arrivé à l'université, je vais directement en cours. Le matin, j'ai des cours de français, de mathématiques et de biologie. Mes cours préférés sont ceux de français. J'adore apprendre de nouveaux mots et phrases en français. À midi, je déjeune à la cafétéria avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai pris une salade verte et un sandwich au poulet. Après le déjeuner, nous avons une heure de pause, alors nous en profitons pour discuter et nous détendre. L'après-midi, j'ai encore deux cours, histoire et anglais. Après les cours, je rentre chez moi. Je passe l'après-midi à étudier, Faire mes devoirs et lire. Le soir, je dîne avec ma famille et nous regardons un film ensemble. Après le dîner, je me relaxe un peu en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Ensuite, je me brosse les dents et je vais me coucher vers 22h pour être en forme pour une nouvelle journée demain. Interesting vocabulary and phrases. Before we start our speaking practice, let's learn some interesting words and phrases from our story to improve our French skills. Étudiante, une personne qui étudie, généralement à l'université. Exemple, Sophie est une étudiante en troisième année à l'université. Aperçu, une vue d'ensemble ou un résumé. Exemple, voici un aperçu de ma vie quotidienne. Le petit déjeuner, le premier repas de la journée, habituellement pris le matin. Exemple ⁇ Je prends un petit déjeuner rapide chaque matin. Dépêche ⁇ action de se dépêcher ou de se presser. Exemple ⁇ Après le petit déjeuner, je me dépêche de partir pour l'université. La cafétéria ⁇ un endroit où l'on peut acheter et manger des repas. Généralement sur un campus ou dans un lieu public. Exemple, à midi, je déjeune à la cafétéria avec mes amis. Une salade verte, une salade préparée principalement à partir de feuilles de laitue ou d'autres légumes verts. Exemple, aujourd'hui, j'ai pris une salade verte et un sandwich au poulet pour le déjeuner. Une heure de pause, une période d'une heure pendant laquelle on arrête de travailler ou d'étudier pour se reposer ou se détendre. Exemple, après le déjeuner, nous avons une heure de pause à l'université. L'après-midi, la période de temps entre le matin et le soir, généralement de midi à la fin de la journée. Exemple, l'après-midi, j'ai encore deux cours à suivre. Se relaxer, se détendre ou se reposer après une période d'activité. Exemple, après le dîner, je me relaxe en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Être en forme, être en bonne santé physique et mentale. Exemple, je vais me coucher tôt pour être en forme pour une nouvelle journée demain. Now it's time to practice. Repeat after Sophie. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Sophie. Je suis une étudiante en troisième année à l'université. Je suis une étudiante en troisième année à l'université. Voici un aperçu de ma vie quotidienne. Voici un aperçu de ma vie quotidienne. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Chaque matin, je me réveille à 7 heures. Je me lève, je me brosse les dents et je prends une douche. Je me lève, je me brosse les dents et je prends une douche. Ensuite, je m'habille et je prends un petit déjeuner rapide. Ensuite, je m'habille et je prends un petit déjeuner rapide. Je bois un verre de jus d'orange et je mange des céréales avec du lait. Je bois un verre de jus d'orange et je mange des céréales avec du lait. Après le petit déjeuner, je me dépêche de partir pour l'université. Après le petit déjeuner, je me dépêche de partir pour l'université. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus et j'attends le bus numéro 12. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus et j'attends le bus numéro 12. Le trajet jusqu'à l'université dure environ 20 minutes. Le trajet jusqu'à l'université dure environ 20 minutes. Arrivé à l'université, je vais directement en cours. Arrivé à l'université, je vais directement en cours. Le matin, j'ai des cours de français, de mathématiques et de biologie. Le matin, j'ai des cours de français, de mathématiques et de biologie. Mes cours préférés sont ceux de français. Mes cours préférés sont ceux de français. J'adore apprendre de nouveaux mots et phrases en français. J'adore apprendre de nouveaux mots et phrases en français. À midi, je déjeune à la cafétéria avec mes amis. À midi, je déjeune à la cafétéria avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai pris une salade verte et un sandwich au poulet. Aujourd'hui, j'ai pris une salade verte et un sandwich au poulet. Après le déjeuner, nous avons une heure de pause. Alors nous en profitons pour discuter et nous détendre. Après le déjeuner, nous avons une heure de pause, alors nous en profitons pour discuter et nous détendre. L'après-midi, j'ai encore deux cours, histoire et anglais. L'après-midi, j'ai encore deux cours, histoire et anglais. Après les cours, je rentre chez moi. Après les cours, je rentre chez moi. Je passe l'après-midi à étudier, faire mes devoirs et lire. Je passe l'après-midi à étudier, faire mes devoirs et lire. Le soir, je dîne avec ma famille et nous regardons un film ensemble. Le soir, je dîne avec ma famille et nous regardons un film ensemble. Après le dîner, je me relaxe un peu en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Après le dîner, je me relaxe un peu en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Ensuite, je me brosse les dents et je vais me coucher vers 22h pour être en forme pour une nouvelle journée demain. Ensuite, je me brosse les dents et je vais me coucher vers 22h pour être en forme pour une nouvelle journée demain. Listen to the story carefully one more time. Je m'appelle Sophie. Je suis une étudiante en troisième année à l'université. Voici un aperçu de ma vie quotidienne. Chaque matin, je me réveille à 7h. Je me lève, je me brosse les dents et je prends une douche. Ensuite, je m'habille et je prends un petit déjeuner rapide. Je bois un verre de jus d'orange et je mange des céréales avec du lait. Après le petit déjeuner, je me dépêche de partir pour l'université. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus et j'attends le bus numéro 12. Le trajet jusqu'à l'université dure environ 20 minutes. Arrivé à l'université, je vais directement en cours. Le matin, j'ai des cours de français, de mathématiques et de biologie. Mes cours préférés sont ceux de français. J'adore apprendre de nouveaux mots et phrases en français. À midi, je déjeune à la cafétéria avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai pris une salade verte et un sandwich au poulet. Après le déjeuner, nous avons une heure de pause, alors nous en profitons pour discuter et nous détendre. L'après-midi, j'ai encore deux cours, histoire et anglais. Après les cours, je rentre chez moi. Je passe l'après-midi à étudier, faire mes devoirs et lire. Le soir, je dîne avec ma famille et nous regardons un film ensemble. Après le dîner, je me relaxe un peu en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Ensuite, je me brosse les dents et je vais me coucher vers 22 heures pour être en forme pour une nouvelle journée demain. Fantastic work today! Keep up the amazing effort! Remember that daily practice brings you one step closer to becoming fluent in French. Don't forget to like, share, and subscribe for more enjoyable French lessons. Happy learning, and see you soon.